Alreco, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe dans les 90s au 21e J'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste pourrait raconter de son époque. J'écris un podcast du futur que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. Je compose aussi un album et j'écris le spectacle. Pour conceptualiser, construire ce projet, il a fallu me documenter et je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, donc j'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, la conscience, la zététique entre autres et bien sûr la politique afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter cette histoire. Le propos est donc artistique, et peut-être que vous l'avez compris, son fil conducteur est l'antagonisme entre rationalisme, matérialisme d'un côté, et idéalisme, spiritualisme de l'autre. Je vous préviens, j'ai fait le grand écart avec mes invités, parce que recueillir des points de vue différents pour construire ma pensée et mon récit, c'est l'objectif. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris, et aujourd'hui, nous interviewons François Boulot. François Boulot est avocat. Il a été porte-parole des Gilets jaunes, on l'a beaucoup vu et entendu sur les plateaux entre 2018 et 2019. Il a écrit entre autres un livre intitulé Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique que je vous conseille. Nous lui avons rendu visite dans sa ville, à Rouen, son parcours, sa pensée, son engagement, les Gilets jaunes, le néolibéralisme, la technocratie rampante dans le champ politique, la corruption des élites. Le besoin de sens, le connais-toi toi-même, sa vision de l'avenir, bien sûr. Voici quelques sujets que nous avons abordés dans cet entretien. Bah, mon parcours, je viens euh, d'une famille euh, euh, à la base qui est pas bourgeoise du tout. Euh, mes parents n'ont pas fait d'études supérieures. Euh, on avait un niveau de vie, je dirais, vraiment moyen euh, quand j'étais petit. Et il est vrai que euh, mon père a plutôt réussi professionnellement et donc j'ai vu notre niveau de vie augmenter. Euh, ce qui m'a permis à moi de faire euh, des études financées par mes parents. Je veux dire j'ai pas eu besoin de travailler euh, pour, euh, pour pouvoir faire mes études de droit et donc euh, j'ai eu toujours très conscience euh, du privilège que j'avais de pouvoir euh, justement m'a donné pleinement me consacrer pleinement à mes études sans avoir à travailler et euh, j'ai toujours eu beaucoup de gratitude pour ça d'avoir cette, cette chance là euh, qui m'était donnée et puis après bon j'ai fait mon cursus de, de droit euh, puis d'avocat et puis euh, je m'étais toujours un peu intéressé quand même à la politique mais disons bon euh, je regardais les débats à la télévision euh, voilà je regardais à l'époque c'était Sarkozy c'était Dominique Strauss Kahn euh, qui, qui débattait l'un contre l'autre bon j'étais plutôt à tendance de droite euh, parce que ma famille était plutôt gaulliste et que euh, voilà, la, la, la fausse conscience, bonne conscience de gauche m'exaspérait, et que j'ai toujours eu un rapport plus à la vérité que à la morale. Euh, mais il s'est avéré que à partir de 2010, 2011, je ne sais pas trop comment le situer, mais en gros j'avais voté Sarkozy moi en 2007, et j'ai été convaincu qu'il avait les solutions, que c'était bien, etc., et puis bah après j'ai été cohérent au moins et honnête avec moi c'est que j'ai vu que ça marchait pas trop. En fait euh, alors certes il y avait la y eu la crise de 2008 mais je commençais à ressentir sans pouvoir vraiment l'expliquer que les causes étaient quand même peut-être beaucoup plus profondes que ça et que ce c'est pas des petites solutions de comptable euh, qu'on allait prendre ici ou là en augmentant un point de CG ou un point de TVA qui allait résoudre les problèmes très profonds qui se posaient euh, de chômage, de pauvreté, euh, d'inégalité. Et donc, en fait, à partir de oui, 2011-2012, j'ai commencé à travailler par moi-même. Et en fait, je, moi, je suis parti euh, vraiment en autodidacte à m'interroger sur la dette publique. Euh, mais en fait, à qui on doit l'argent euh, Et la réflexion que j'avais, c'était peut-être un peu du, le résultat de mes cours de droit constitutionnel, mais je me disais, euh, c'est quand même bizarre parce que l'État est censé être l'émanation du peuple souverain. Donc, euh, la souveraineté, par définition, ça veut dire qu'il n'y a rien autour de nous. Et l'État, donc, a des créanciers. Et bon, euh, évidemment, quand on doit de l'argent à quelqu'un, généralement, on n'est quand même plus tout à fait maître de la décision. Donc, on n'est plus tout à fait souverain. C'est quand même bizarre, ce système qui nous dit que l'État est souverain, mais l'État doit de l'argent. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Et puis, à qui doit-on l'argent J'aimerais bien savoir, parce qu'on nous dit toujours, il y a la dette, il y a la dette. Oui, mais d'accord, mais à qui on doit l'argent, là et on ne sait pas. Il y a une loi hein, pour qu'on ne sache pas euh, à qui on doit l'argent, euh, parce que ça permet d'avoir des meilleurs taux d'intérêt. <laughs> en gros, conserver l'anonymat de nos créanciers euh, fait qu'ils nous prêtent avec des taux d'intérêt euh, plus favorables. Bon, tu très curieux quand même comme système dans une démocratie. Et puis après, en fait, de là, j'ai dérivé sur la création monétaire, et donc du coup l'euro, et donc l'Union européenne, et donc les questions de libre-échange et de protectionnisme. Euh, voilà, et puis euh, j'ai découvert des intellectuels comme Emmanuel Todd, comme Frédéric Lordon, et, et, euh, ou Bernard Friot. Et voilà, et, et tous ces gens-là m'ont aidé petit à petit à construire ma pensée. Mais je, je sais que ce qui a été un point de bascule dans mon rapport à la politique, c'est que avant j'étais spectateur et je me forgeais un avis sur la base d'impressions et de, de sentiments. Et euh, ensuite, je, je suis devenu acteur au sens où je vais réfléchir par moi-même et je vais répondre à mes questions. Je, vais me, je me pose les questions, j'essaie de comprendre le monde. Et ensuite, évidemment, j'ai besoin de me confronter à des pensées, à des connaissances, à des débats, à des conférences, etc., pour nourrir ma réflexion. Et petit à petit, bah, je venais répondre aux questions que je m'étais moi-même posées. Je vous l'ai dit, j'écris cette histoire du futur qu'on retrouvera dans la playlist fiction de ce podcast. Alors, j'essaye de faire travailler mon imagination, mais mon ambition, c'est aussi d'exprimer un point de vue. La science-fiction, c'est merveilleux parce que c'est un champ créatif où tout est possible. Et à l'image d'Alain Damasio, par exemple, j'ai envie, au travers de ce récit, de m'impliquer et de proposer aussi une vision politique, parce que tout est politique. Construire sa pensée, c'est un long cheminement, c'est une démarche que j'ai compris il n'y a pas si longtemps. À quel point c'est essentiel de trouver quelques réponses concrètes aux questions importantes à nos yeux. Et puis avec ce qu'on vit en ce moment, c'est très important, c'est essentiel de savoir comment se positionner, car il va falloir pouvoir mesurer en conscience les enjeux du monde qui se présentent à nous. Tout ça m'a pris pas mal de temps, euh, notamment sur la monnaie, où c'est un sujet extrêmement complexe et où, euh, parce que je me renseignais pas mal sur internet aussi, euh, vous lisez absolument tout et n'importe quoi, donc vous avez euh, des critiques les plus justes aux thèses les plus délirantes, donc il faut réussir à faire le tri, et ça n'a pas du tout du tout été évident et euh, je le dis parce que je l'avais écrit dans la préface de mon livre mais le dans l'avant-propos euh, mais j'ai eu beaucoup de moments de perte de confiance quoi à me dire mais t'es vraiment trop bête quoi tiens en fait c'est pas pour toi tu arriveras jamais euh, c'est trop compliqué enfin il y a des moments j'étais perdu et je me sentais vraiment nul et je me disais non en fait moi je suis pas capable de comprendre et puis bon bah à un moment donné euh, vous lâchez vous lâchez pendant un temps et puis euh, et puis bon, par la force des choses, bah, vous êtes amené à y revenir. Et puis, ah ça y est, il y a un déclic, ça se débloque. Ah bah ça y est, enfin, j'ai compris ça. Ah bah du coup, maintenant, je peux aller rechercher ailleurs. Euh, et maintenant, on peut passer à une autre question. Voilà, donc c'est euh, un chemin qui a été très laborieux et pénible, euh, avec des, des moments de joie quand, quand on a compris quelque chose, mais des grands moments de doute et de, et de frustration et de déception quand, quand on bute sur les obstacles. Et puis, bon, euh, arrivé, je pense, en 2016-2017, j'avais euh, le sentiment là d'avoir enfin euh, construit une cohérence intellectuelle. Pas d'avoir tout compris, loin de là, mais là d'avoir une grille de lecture qui me permettait enfin de comprendre les événements et même d'en anticiper pas mal. Euh, et c'est pour ça notamment que j'avais anticipé, euh, mais euh, je veux dire, je ne m'attribue pas les mérites euh, euh, particulièrement, hein. d'autres euh, <laughs> l'avaient anticipé, que Macron évidemment ne serait pas un bon président pour le pays et que euh, Macron allait plutôt mettre les gens dans la rue. C'est ce que je disais à tout mon entourage qui votait plutôt Macron ou Fillon, hein, donc on n'est pas sur des révolutionnaires dans l'âme, euh, on disait mais Macron élu six mois plus tard, la France est dans la rue. Vous ne comprenez pas en fait ce qu'est cette personne, ce qu'il va faire et, et les dommages qu'il va causer. Alors je me suis trompé d'un an, puisque les gilets jaunes, ça a été un an et demi plus tard, mais euh, voilà, ça s'est produit. C'est assez édifiant de voir avec quelle facilité ce gouvernement parvient à faire descendre les gens dans la rue. Il semble que ce ne soit pas qu'un problème de pouvoir d'achat, de retraite ou de 49.3. J'ai le sentiment que le monde se rend compte que le projet de société qui nous est proposé n'est pas désirable. Un jour c'est le mouvement contre la réforme des retraites, demain il y en aura d'autres car nous sommes entrés dans l'ère des soulèvements comme le dirait Michel Maffesoli et peut-être que cela a démarré en 2018 avec les Gilets jaunes Bon, déjà, j'y suis allé dès le premier jour par curiosité, essayer de comprendre avant de juger, euh, savoir qui étaient ces gens, euh, euh, oui, quel était ce phénomène un peu bizarre, un peu irrationnel qui était en, de, de, en train de se produire, euh, qu'on n'avait jamais vu euh, auparavant. Et puis, euh, au début, moi, j'étais dans une logique, du coup, de euh, rallier mon barreau. Au moins sur le plan symbolique, au gilet jaune, c'est-à-dire qu'en fait, les avocats luttaient à l'époque contre une réforme de la justice, qui, comme d'habitude, euh, je veux dire, euh, était là pour entraver les procédures, réduire les budgets, réduire les coûts, enfin, bon, voilà, toujours faire en sorte de casser le service public de la justice, comme tous les autres services publics. Et euh, j'avais essayé d'expliquer à mes confrères que, malheureusement, notre, notre pouvoir de nuisance, il était nul. Et donc, on pouvait essayer de faire des grèves ou des, ce qu'on voulait, ou faire des, 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 des chorégraphies devant le palais de justice. Ça n'allait pas mener bien loin, quoi. Et que, et que spécifiquement, avec ce pouvoir-là, euh, je parle d'Emmanuel Macron, euh, on a quelqu'un qui n'est pas un politique de base, qui a un rapport très autoritaire euh, au pouvoir, très vertical. Et. Euh, je veux dire, qui, qui, qui n'écoute que quand euh, on le stoppe, en fait. Voilà, il, il, il n'écoute pas de bonne foi, ce, ce garçon. Euh, et donc, je leur avais dit écoutez, là, il y a un mouvement social de grande ampleur qui vient de naître et qui euh, accapare l'attention des médias, qui donc, y a une grande puissance. Euh, je pense que ce serait opportun qu'on fasse au moins une photo avec nos robes et un gilet jaune par-dessus, devant le palais de justice pour montrer symboliquement que le peuple est en train de s'unir et euh, ça je pense que ça enverrait un énorme message pour le coup à la Chancellerie euh, pour ce qui nous concernait euh, notre combat contre la fin de la justice parce que si commence à savoir, que les classes moyennes supérieures des éduqués supérieurs euh, s'allient avec euh, bah, euh, des, euh, des gens de conditions plus modestes qui n'ont pas fait d'études supérieures euh, là, oui, ça va commencer à trembler parce qu'en fait, le pouvoir sait euh, qu'il peut compter sur les divisions au sein de la société française et en particulier sur les divisions entre les différentes classes sociales et en fait le mépris de classe qui existe en cascade dans la société où en gros la classe plus haute méprise la classe en dessous d'elle et ainsi de suite. Et bon, j'ai essayé, j'ai pas dû réussir à ma plaidoirie parce que euh, j'ai dû euh, sur. Euh, 120 personnes qui étaient présentes à cette assemblée, j'ai dû convaincre 4 personnes, dont moi, donc euh, voilà, j'ai pas été très performant. Euh, et du coup, il fallait que j'aille sur le rond-point, fallait que j'y sois en fait. Je n'explique pas ça, il fallait que je sois avec eux. J'ai le sentiment que c'est là que ça se passait. Voilà, bon, et il se trouve que euh, on m'a demandé euh, euh, à quelques reprises au début de, de m'exprimer dans, dans des assemblées. Et, euh, et qu'à la suite de ça, on m'a demandé de devenir le porte-parole des, des, des trois ronds-points de Rouen, qui étaient le rond-point des vaches, le rond-point de la motte et le rond-point du zénith. Et c'est comme ça que je suis, je suis devenu le porte-parole des Gilets jaunes à Rouen et que j'ai été amené ensuite à être invité dans les médias. Et j'ai essayé de saisir toutes les opportunités qui m'étaient données pour défendre évidemment les revendications du mouvement, qui étaient une meilleure répartition des richesses et euh, plus de démocratie hein, à travers le référendum d'initiative citoyenne. Euh, et aussi, euh, bah, du coup, euh, pour défendre ces revendications, essayer de déconstruire euh, toute la propagande gouvernementale, tous les arguments qui nous sont assénés de toute façon depuis des années qui visent à défendre le discours dominant qu'on appelle le, le néolibéralisme, mais qui, évidemment qui parle pas beaucoup aux gens. Donc moi, que je résume plutôt sur la formule qui est le, le régime des ultra riches hein, qui a servi les peuples et détruit la nature. Comme ça, au moins on sait de quoi on parle, c'est plus simple. Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables. Vous l'avez dit, les conditions d'organisation de ces multiples manifestations se déroulent dans des conditions qui mettent en risque. Qui mettent en risque d'abord celles et ceux qui manifestent. Des armes de guerre ont bien été employées samedi. Des brigades motorisées étaient bien équipées de LBD. Des secours ont été entravés et ont empêchés d'intervenir sur ordre de la gendarmerie. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés sur des, sur des blessés. Vous montez comme vous avez monté ici lors du fiasco du Stade de France. Gilet jaune, là, eh bien monsieur. nous ne sommes pas dans le euh, même nous, camp madame. Merci à monsieur le ministre de nous avoir apporté euh, ces éléments euh, chiffrés, euh, imagés, qui ont euh, montré... Le déchaînement de violence de la part de l'extrême gauche à l'encontre de nos forces de police, un déchaînement de violence qui s'inscrit très clairement dans une stratégie de déstabilisation, de destruction des institutions de la République. Le régime des ultra-riches qui a servi les peuples et détruit la nature, mais oui. Néolibéralisme, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup sans vraiment savoir ce qu'il définit. On a capitalisme, économicisme, libéralisme, des mots chers à Laurent Alexandre, Raphaël Enthoven, B.H.L., tous les grands penseurs de notre époque. Mais François, peux-tu développer un peu ta définition, s'il te plaît bah, En fait, le néolibéralisme, c'est euh, la forme que prend le capitalisme depuis les années 80. Euh... Pour le dire autrement, c'est pour ça que j'essaie toujours d'éviter ces mots-là et que j'en donne des, des définitions plus concrètes. Euh, en gros, le, le problème que j'ai avec ce mot néolibéralisme, c'est qu'il bah, y a le mot libéralisme. Alors, déjà, on va confondre du coup, le libéralisme euh, au sens de la doctrine du 19e siècle, Adam Smith Co. Euh, mais qui n'avait rien à voir avec le néolibéralisme. Euh, le libéralisme Smith. pour ceux qui l'ont lu, ce n'est pas uniquement la main visible du marché. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Euh, en fait, c'est une doctrine qui vise à l'émancipation des individus, qui assume le, le, le rôle et le devoir d'intervention de l'État, la prise en charge des activités qui ne sont pas forcément rentables économiquement, mais qui en revanche apportent un service euh, essentiel au, à la communauté. Euh, donc euh, cette doctrine-là n'a rien à voir avec le néo, ce qu'on a appelé le néolibéralisme en fait, qui correspond à l'arrivée de Reagan aux États-Unis et de Thatcher euh, en Angleterre, et où en fait c'est, pour le dire autrement, une politique hyper inégalitaire euh, qui au profit des ultra riches et qui vise à casser les systèmes de protection sociaux qu'on avait mis en place après la deuxième guerre mondiale, donc ce qu'on avait appelé l'ère de, des États providence. Euh, c'est ça en fait le néolibéralisme, et si on voulait euh, se donner un élément qui est caractéristique et qui le différencie totalement du libéralisme, c'est que dans ce à quoi on assiste depuis les années 80, c'est cette euh, captation justement par les ultra-riches, par leur pouvoir d'influence, des appareils d'État. En fait, ils exercent une influence déterminante. Euh, où ils ont colonisé par plein d'aspects euh, les appareils d'État, ce qui leur permet d'orienter les décisions publiques et donc les lois. Et euh, évidemment au service de leurs intérêts et au détriment de la population en général. Donc euh, voilà ce que c'est pour moi le, le, le néolibéralisme, c'est simplement la consécration d'une du, politique très inégalitaire qui vient d'un déséquilibre dans le rapport de force. Et là, je fais clairement référence à la lutte des classes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement endormi les gens parce que le confort matériel arrivant avec le progrès qu'ont connu les sociétés occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, a fait qu'on a eu un effondrement des structures collectives, à la fois du catholicisme et du communisme en France, et donc par cette atomisation de la société qui s'est faite, donc euh, qui euh, rend les gens de plus en plus individualistes, on a cassé les solidarités, donc la capacité d'action commune. Et euh, du coup, bah, euh, sur ça, bah, Prospère, euh, le, le rapport de force se déséquilibre à l'avantage des plus riches, qui eux sont beaucoup moins nombreux, et, euh, et qui eux, très spontanément, euh, savent très bien où sont leurs intérêts. Donc, il euh, n'y a pas de problème, ils agissent toujours de concert. Sans avoir à se concerter. C'est bien ça euh, leur force. Alors qu'évidemment, pour la masse des gens ordinaires, ah bah oui, on peut être pris dans plein d'intérêts contradictoires et dans un monde complexe, et puis on n'a pas du tout la capacité d'influence des ultra riches. Donc voilà, on a un rapport de. Bon, il y aurait plein d'autres causes, mais. Euh, de facteurs, mais on a un, un rapport de force qui se déséquilibre et donc, euh, d'ailleurs, il s'est tellement déséquilibré que qu'ils euh, avaient pu nous expliquer qu'il y avait même plus de lutte des classes. C'est fini, c'est vraiment... C'est passé, ce truc-là. Vraiment, là, vous n'êtes pas moderne. Hein. Donc, euh, voilà, et ils ont du coup euh, changé les mots. Ou, euh, voilà, on est défavorisé, on n'est plus en exploité. Parce que quand on est en exploité, ah, hein, on comprend qu'il y a des exploiteurs. Donc, euh, on a envie de désigner un responsable. Alors, quand vous êtes défavorisé, bon, bah, ma foi, euh, c'est le destin, vous n'avez pas eu de chance dans la vie donc euh, voilà donc euh, à travers le, le, le langage on a aussi tout fait pour anesthésier la pensée et, et, et empêcher les gens de, de construire une réflexion à même de euh, penser la, une rupture avec le, le système politique alors dans mon histoire ça c'est certain s'il y a une société vertueuse ou résiliente en tout cas l'éducation sera la base de tout la marotte de François Boulot, c'est l'éducation politique, la connaissance des institutions pour pouvoir les contrôler en tant que peuple souverain. Et c'est une conviction qui est à juste titre partagée et récurrente dans les propos d'un certain nombre de militants politiques. On en discutera d'ailleurs avec l'un de nos prochains invités. Et c'est effectivement fondamental de connaître les enjeux, de connaître le fonctionnement institutionnel de notre monde. Et ça devrait être dans une démocratie la base de tous les enseignements, comme le calcul, comme l'orthographe. À l'école, on devrait apprendre à réfléchir par soi-même en connaissant les enjeux politiques, ce qui nous permettrait de faire de vrais choix plus tard en tant qu'adulte, de s'émanciper, de devenir souverain. C'est l'objet de son livre reprendre le pouvoir et des vidéos qu'il diffuse sur sa chaîne YouTube. Pas certain que cet horizon dans lequel des citoyens souverains décideraient eux-mêmes des orientations politiques de leur nation soit au programme de nos élites actuelles. J'ai pris le temps d'écrire un livre, Reprendre le pouvoir, où là, pour le coup, c'est vraiment une entreprise de démolition, mais euh, euh, avec des arguments, je dirais, euh, logiques. Et simple à comprendre le plus simple possible parce qu'on vit évidemment dans un monde complexe. donc c'est difficile de, 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 de s'extraire de la complexité. Non, on est dans un monde complexe donc on est obligé d'avoir une pensée qui est fine qui est subtile et qui va au fond des choses. Et bon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre en présentant une, une, une analyse synthétique de à mon avis tous les blocages institutionnels, qui existent et qui font qu'on est dans cette situation politique où finalement ça fait 40 ans. Que, euh, que la politique qui est menée euh, crée une grande insatisfaction, une insatisfaction grandissante dans la population, qu'on le voit bien à travers les élections où on parle de montée des extrêmes, mais en fait, ce qu'on devrait surtout voir, c'est que les gens ne votent plus pour les partis installés. <laughs> c'est surtout ça qui s'exprime, en fait, c'est la défiance envers les partis installés. Et les gens sont effectivement prêts à voter entre guillemets aux extrêmes, parce qu'après, il faudrait qu'on discute aussi des étiquettes d'extrêmes qui, qui sont collées. Mais en, en, en tout cas, ce que les gens expriment de manière évidente, c'est qu'on ne veut plus de ça. C'est ce qui s'exprime le plus. Et, et aux dernières élections euh, présidentielles et législatives, on a bien vu que trois blocs ressortaient, ce qui est absolument inédit, parce qu'en réalité, jusqu'en 2012, euh, il y avait un consensus très clair entre les partis de gouvernement de droite et de gauche, où finalement, euh, ces deux-là représentaient une majorité dans la population. Donc, euh, on pouvait s'écharper euh, sur telle ou telle broutille, euh, mais en réalité une grande majorité de la population française à ce moment-là soutenait ces idées qui étaient peu ou prou les mêmes en tout cas sur le plan économique et ce qu'on voit là maintenant c'est qu'en l'espace de 10 ans seulement eh bien ce discours dominant est totalement minoritaire maintenant dans la population et c'est pour ça qu'en fait on a Emmanuel Macron qui est rejeté par 70% des français et euh, voilà donc le livre que j'ai écrit il vise à expliquer euh, toutes ces causes à la fois sur le discours économique qui nous est vendu et qui n'a ni queue ni tête et qui vise uniquement à justifier les inégalités mais qui euh, produit euh, deux problèmes c'est-à-dire qu'en France on a quand même euh, on, on conjugue une répartition des richesses très inégale mais avec également un déclin euh, de la richesse du pays c'est-à-dire qu'en ayant cassé l'appareil industriel euh, du pays, ben, on s'est considérablement appauvri. C'est-à-dire qu'en fait, les gens d'en haut, finalement, en plus d'être incompétentes et de ne pas avoir réussi à maintenir la prospérité euh, de, de la France, euh, s'appliquent maintenant à faire payer l'addition à tous les autres. C'est-à-dire que c'est aux autres de prendre les pertes, en fait. Et eux, ils continuent d'amasser. Donc voilà, il y a cette analyse sur, sur l'économie, en lien évidemment avec, c'est le deuxième chapitre, mais sur l'Union européenne. Euh, parce que ce sont des mécanismes institutionnels l'euro et le libre échange consacrés par l'union européenne qui euh, euh, nous enferment en fait dans une certaine politique économique donc inégalitaire austéritaire etc. et puis une analyse aussi du coup de ce que j'avais appelé les gardiens de prison c'est-à-dire les médias et puis et puis l'état l'état qui aujourd'hui est colonisé de toute façon par les puissances d'argent à travers les lobbies, euh, euh, mais pas seulement à travers la connivence entre la haute fonction publique et euh, les grandes entreprises françaises, euh, voilà, et tout ça est en train de nous, nous, nous emmener dans le mur, et euh, je pense que c'est fondamental et c'était l'objectif de ce livre, de, euh, de créer une compréhension commune dans la population. Moi, je suis persuadé que le, le, le point fondamental euh, pour obtenir un basculement, une révolution politique, on l'appelle comme on veut, c'est créer un niveau de conscience suffisant. C'est-à-dire qu'il faut que les gens euh, augmentent leur niveau de connaissance, comprennent les raisons pour lesquelles on en est là. Et ça, ça passe inévitablement par là, parce que sinon, euh, si on fait une révolution sans avoir compris euh, les causes, bon, bah demain, on va se retrouver avec le premier dictateur venu, ou un autre pouvoir politique, mais qui sera euh, aussi brutal et inégalitaire que le précédent. Donc, euh, on ne peut pas se... Euh, euh, on ne peut pas s'exonérer de ce travail-là. Et ça, c'est un travail individuel où chacun doit faire sa part. Et pour être un, un peu provocateur, euh, je vois beaucoup de gens qui sont capables, quand ils achètent leur, leur ordinateur, de euh, passer des après-midi euh, entiers à réfléchir et à. Et, et à à, comment dire, à se renseigner sur la puissance de l'ordinateur, la carte graphique, est-ce que c'est tant de gigabits de je ne sais pas quoi, de mégaoctets, de gigaoctets, du disque dur, et la puissance du processeur, et la dernière tactologie de la puce, etc. Ok, et tu fais quoi comme travail quand il s'agit d'aller voter aux élections Tu as travaillé en amont Tu as simplement lu le prospectus Si tu lis les programmes des politiques, évidemment, qui sont envoyés dans la boîte aux lettres, bah, comme ils te promettent tous des choses agréables pour ta vie forcément tu ne sais pas décider. Donc il faut évidemment avoir travaillé en amont et finalement bon, je vois en gros que euh, les gens sont euh, beaucoup plus disposés à se renseigner quand il s'agit d'acheter des biens de consommation mais le font beaucoup moins quand il s'agit de s'informer sur la politique. Alors je ne jette pas entièrement la pierre parce que euh, on a évidemment un système de l'information qui est totalement défaillant et c'est ce système-là qui devrait en principe rendre accessible euh, l'analyse et la compréhension du monde aux citoyens. Mais euh, du coup, à un moment donné, quand on n'est pas content, il y a quand même beaucoup de pas contents aujourd'hui dans le pays, eh ben, il, faut, euh, il faut faire le travail par soi-même. Une fois qu'on a compris que ce ne plus les institutions qui euh, sont à notre service, euh, si on veut les changer, il va falloir travailler par nous-mêmes. Oui. Oui, 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 il va falloir s'y coller. Il y a d'un côté les classes populaires défavorisées, les gens normaux qui aspirent à une vie simple avec des relations apaisées, les gentils, quoi. Et de l'autre, les ultra riches et les technocrates à leur service, les transhumanistes qui vont nous esclavagiser jusqu'à la fin des temps. Et puis il y a les habitants de la terre du milieu. Je me demande ce que font ces gens. Je me demande si ces classes moyennes supérieures, qui ont tout misé sur le capitalisme, sans même imaginer qu'il puisse exister d'autres voies, ceux-là même qui ont construit leur existence en vue d'obtenir une reconnaissance sociale dont ils ne sont jamais rassasiés, un confort matériel et financier qui leur permet de prendre des vacances aux Maldives ou aux Seychelles en hiver, ces hommes et ces femmes vont-ils se rendre compte qu'ils seront eux aussi les dindons de la farce les inégalités grandissantes au sein de nos structures sociales nous emmènent-elles vers un crédit social à l'occidental Alors, il y, y a deux grandes dynamiques en fait qui s'affrontent et effectivement, je n'ai pas d'idée sur qui va et quelle dynamique va gagner. Il y a une dynamique, effectivement, euh, de progrès technologique et qui permet, en gros, aux institutions une capacité de surveillance et de contrôle de la population comme jamais dans l'histoire. Ce qui fait que euh, le risque d'un nouveau totalitarisme, évidemment, euh, il est présent, euh, mais il ne prendrait pas la même forme que le totalitarisme qu'on a connu au XXe siècle, Alors le fascisme, fascisme ou euh, évidemment euh, le nazisme, euh, c'est-à-dire les bruits de bottes et les exécutions sommaires, quoi, pour ré résumer les choses simplement, euh, un, un, un peu rapidement. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'aurait plus besoin d'exposer quelque chose aussi brutal. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques effectivement de contrôler les pensées, enfin les, les idées des gens, tout simplement en les traquant sur les réseaux sociaux, en traquant via leurs cartes bancaires leurs achats, etc. On peut savoir où ils sont et on peut savoir ce qu'ils pensent. Donc, euh, on pourrait très bien imaginer euh, demain euh, qu'il euh, y ait un crédit social à la chinoise qui soit mis en place dans nos sociétés occidentales. Euh, alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est progressif. Mais quand on voit déjà le nombre d'atteintes euh, aux libertés fondamentales qui ont été portées en quelques années seulement, au droit de grève, au droit de manifester, à la liberté d'expression, enfin toutes les libertés les plus euh, essentielles pour qu'une démocratie puisse fonctionner, au sens où l'exercice de ces libertés permettre de, 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 de l'expression des intérêts et des avis contradictoires dans la société, pour permettre par le processus sélectif ensuite de trancher ces contradictions, c'est à ça qu'elles servent en fait les libertés fondamentales. Sauf que euh, forcément, si vous portez atteinte à ces libertés, alors les avis et les intérêts euh, contradictoires ne vont plus s'exprimer dans le débat public. Vous n'avez donc qu'une seule pensée, qu'un seul discours dominant, et donc euh, le processus électoral est totalement vicié avec euh, évidemment des candidats qui sont choisis par le système médiatique, système médiatique qui est détenu par les milliardaires, et donc on se retrouve avec des gens, euh, un choix en fait totalement limité de candidats, où on a envie de voter pour personne, bah oui, évidemment, <laughs> puisque en amont, euh, tout a été fait pour que les gens qu'on nous présente au suffrage ne soient pas dangereux et ne veulent rien changer au système, et le système qui euh, profite aux plus riches. Donc euh, voilà, la, la, la boucle est bouclée. Maintenant, il y, a, il y a du coup cette dynamique à comprendre intrinsèque, c'est que c'est bien parce qu'on a un système de plus en plus inégalitaire qu'il y a une insatisfaction grandissante qui s'exprime dans la société, et donc en re, une réaction des élites qui, viennent, qui vient limiter les libertés et qui bascule dans l'autoritarisme pour étouffer la contestation. C'est. Le néolibéralisme, c'est-à-dire un système très inégalitaire au service des plus riches, qui est en train de tuer la liberté. Par définition, parce que ce système ne peut, peut qu'engendrer de l'insatisfaction grandissante dans la population, et en retour, les élites s'accrochent à leur pouvoir et donc basculent dans l'autoritarisme. Donc en fait, le, le, des inégalités créent nécessairement un autoritarisme. En fait, c'est obligatoire. Euh, ça, 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 ça me paraît normal. Mais après, quelle dynamique gagnera? entre euh, cette, euh, cet autoritarisme des, des institutions qui ne fait que s'accentuer et de l'autre côté bah, l'insatisfaction grandissante des gens euh, qui, euh, euh, qui rejettent petit à petit les institutions, qui petit à petit euh, sortent des dogmes qu'on leur a vendus depuis des années et des années. Suspense. On va approfondir maintenant un peu la question de la technologisation de nos sociétés, car c'est un point qui me semble crucial. Plus que jamais, la technologie est dangereuse. Science sans conscience est ruine de l'âme, et il va falloir être vigilant, car notre liberté est en jeu. Les élites financières dépendent encore un peu des travailleurs, mais bientôt elles pourront s'en passer, et ça deviendra compliqué pour les grévistes de couper l'électricité à la permanence de Renaissance, quand celle-ci sera gérée par une IA. Alors je suis vraiment pas spécialiste de la question mais je dirais que on en on parlait tout à l'heure euh, la technologie est ce qui permet aujourd'hui euh, aux élites de pouvoir créer en gros euh, euh, le monde que décrivait George Orwell dans 1984 quoi la possibilité de surveillance générale euh, de la population euh, donc c'est un grand risque de basculer vers le totalitarisme grâce à cette technologie euh, et en fait plus profondément, je pense que le problème auquel notre civilisation et peut-être même l'humanité tout entière est confrontée, tout entière en tout cas pour tous les pays développés, c'est qu'on a acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de technologies, alors qu'on n'a pas progressé d'un iota au niveau de la sagesse. On a tellement peu de sagesse, et on, 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 je veux dire, on, on dispose de l'art nucléaire quoi enfin, c'est juste sidérant c'est à dire qu'on a les mêmes instincts primaires qu'il a des centaines des milliers d'années mais sauf que euh, avant quand l'instinct primaire bah, il s'exprimait avec un duel au bâton euh, voilà maintenant c'est une bombe atomique bon, en fait c'est vertigineux et, euh, et c'est ça effectivement c'est assez terrifiant et euh, et en plus, la technologie je pense euh, ajoute au problème de la sagesse c'est plus on a technologie moins on est porté à devenir sage parce que plus on a technologie plus on baigne dans le confort matériel donc moins on vit la douleur, moins on vit les épreuves, moins on voit les obstacles et moins on se confronte en fait à des épreuves et des obstacles, moins on est poussé à se remettre en question et donc à devenir plus sage. Donc, c'est un peu ça le, le drame en fait, où on a l'impression d'être pris dans une dynamique où effectivement, euh, la, la, le confort matériel et la, la, grâce à la technologie qui n'a cessé de progresser dans une proportion absolument fulgurante ces dernières années, ben, elle nous, nous conduit à de moins en moins de sagesse en fait. Donc, euh, oui, ça, 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 pour le coup, ça donne pas beaucoup de raisons d'espérer, mais peut-être, qui sait, justement, il y a quand même beaucoup de, de gens dont la conscience se réveille, qui voit quand même les anomalies de ce monde et de son fonctionnement, et euh, euh, peut-être qu'à un moment ou à un autre, euh, ces personnes-là réussiront à, à faire éclater la vérité, à faire prendre conscience aux gens que ça va pas, et, et elles seront aidées ces gens-là par le contexte qui va empirer les conditions de vie des gens. Donc voilà, c'est vraiment on est pris, on est au carrefour aujourd'hui de, de, de ces deux dynamiques entre d'un côté, euh, un, je dirais deux axes, euh, ce qu'on peut définir comme deux axes politiques, c'est-à-dire inégalitaire et autoritaire, qui ne, ne cesse euh, ce système inégalitaire et, et, et inégalitaire et autoritaire qui ne cesse de progresser dans ces voies-là, et puis de l'autre, bah, du coup, euh, des gens euh, dont les conditions de vie et les épreuves qu'ils rencontrent euh, de plus en plus euh, amènent à euh, élever leur niveau de conscience et, et à s'interroger et donc à devenir un peu plus sage. Il est évident que quand vous êtes pris dans le système libéral et son imaginaire, euh, du coup votre votre personne est très très importante. Vous avez un ego énorme parce que vous êtes vous êtes le centre du monde et donc quand vous êtes le centre du monde, vous avez pas envie de mourir. Donc la technologie, si elle peut vous permettre de vivre mille ans, vous allez vous jeter dessus. Et en fait, vous voulez combattre la mort, vous devez devenir immortel. Donc, vous êtes pris de toute façon dans une volonté de contrôle euh, sur vous-même et sur la vie, sur la nature. Voilà, et ces gens pensent que euh, la science doit permettre de, 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 de dominer la nature. Alors, euh, dans un certain sens, oui, ça a été très bénéfique pour nous. Le confort matériel qu'on a, on a c'est parce qu'on a réussi après à, à dominer la nature, à s'en servir, etc., à notre avantage. Mais comme partout, il y a des limites. Il y a des limites et, et, et il y a des, euh, des, des limites qui ne euh, sont pas morales, qui sont juste, euh, euh, comment dirais-je, euh, qui tiennent à quelle est votre intention profonde. Si vous le faites pour vous, alors ça, pour le, euh, égoïstement, ça, ça me paraît très dangereux parce que vous allez créer de la souffrance contre la nature ou contre le, les autres êtres humains. Si au moins vous voyez le, le, la nécessité de se mettre en lien, de, res, de préserver euh, la nature et euh, de vivre en harmonie avec les, les autres êtres humains, alors là, vous avez quand même plus de chances d'aller dans le bon sens. Ce qui se passe ici, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est absolument admirable. Et je pense que c'est le modèle réduit du, du, du conflit gagnant. Quand on commence à s'intéresser à la politique et qu'on examine les propositions qui nous sont faites, on commence à se rendre compte que la pensée qu'on pourrait qualifier de droite est assez pauvre. Je dirais même qu'elle est assez triste, voire même euh, dépressive ou cynique. J'ai pas tout lu, hein, mais euh, je suis pas tombé sur une vision engageante, excitante pour l'humanité. En revanche, si vous écoutez ou vous lisez Bernard Friot, Frédéric Lordon, François Bégodeau, là on s'amuse, là on frétille, on pense, on projette du collectif, et là c'est joyeux. Mais, mais en fait la réflexion pour défendre le discours dominant, elle est inexistante. C'est entièrement un discours construit sur des symboles et des dogmes. Il n'y a, euh, a aucun argument rationnel euh, qui tient la route. Il n'y en a aucun. Donc, euh, euh, le, le, oui, c'est moi, j'ai été à titre personnel assez sidéré. Moi-même qui croyais à certains de ces dons, quand petit à petit on commence à avoir une méthode et une analyse rationnelle des choses, on sait mais en fait ça ne tient pas. Quand ils nous expliquent, oui mais les milliardaires ils créent des emplois. D'accord Donc votre argument, c'est ça. c'est Les milliardaires créent des emplois, donc c'est super qu'il y ait des milliardaires. D'accord ben, Moi, j'ai quand même quelques autres arguments hein, à vous dire pourquoi les milliardaires, en fait, c'est fini on ne peut pas, dans une société saine, avoir des milliardaires. Donc, premièrement, déjà, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que ces gens-là gagnent beaucoup trop d'argent, l'épargnent. Et quand on épargne de l'argent, on le fait plus circuler dans l'économie. Donc, c'est autant d'argent qui est privé à tout le reste de la population. Donc, euh, merci, les services publics s'affaissent, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, donc euh, n'ont pas de, de capacité, en fait, simplement à, à vivre euh, et à assouvir leurs leur besoins euh, essentiels. Euh, et même ont un, avec la, la, la case des systèmes de protection sociale, que ce soit retraite ou assurance chômage, on crée de l'insécurité économique. Et l'insécurité économique, c'est de la violence psychologique pour les gens au quotidien. Hein? Quand on se demande comment on va payer ses factures ou comment on va se loger, ça c'est très violent à éprouver au quotidien. Bon. Donc, déjà, sur l'aspect économique, les milliardaires sont des parasites. Sur l'aspect euh, démocratique, mais on nous a fait croire qu'on pouvait faire coexister la démocratie et les milliardaires. C'est impossible. Parce qu'en fait, derrière la masse d'argent qu'ils accumulent, c'est surtout du pouvoir, du pouvoir d'influence. Et donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils captent en fait, les institutions euh, de, de la puissance publique. Et ils le font comment bah, Ils le font à travers les médias qu'ils détiennent. Parce qu'ils ne sont pas philanthropes, ces gens-là. C'est bizarre. Ils détiennent des médias qui perdent de l'argent. Pourquoi le font-ils Si ce n'est pour avoir une capacité d'influence sur l'opinion publique. Donc, pour contrôler... Euh assez largement le processus électoral, en tout cas avoir une influence déterminante pour s'arranger que à chaque fois, hop, ce soit l'un de leurs candidats qui soit, qui soit élu. Et puis on fait du lobbying, de toute façon dans les instances étatiques quand il y a un projet de loi qui va contre ses intérêts, etc. Donc bref, euh, il ne peut pas y avoir de démocratie au sens noble, c'est-à-dire un pouvoir qui est au service des citoyens, du peuple, euh, avec des milliardaires, parce que quand on est milliardaire, on a trop de pouvoir. Donc euh, nécessairement on va capter euh, le, 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 les institutions qui sont censées servir le bien commun. Et, et on va arriver à, à détourner les institutions de leur mission. Et puis il y a un aspect euh, psychologique aussi, c'est que mais ces gens-là, ce sont des fous. Ce sont des fous. C'est-à-dire que euh, c'est quand même euh, admis, le, le bon sens voit bien, que l'homme n'est pas fait pour ne pas connaître de limites. Il y a toujours des limites. Et euh, tout excès est toujours nuisible. On sait que si je mange trop ou si je bois trop, c'est nuisible. Un, du sport, c'est bien. Trop de sport, c'est nuisible. Tout est comme ça. Tout est toujours une question de mesure. Et donc, il y aurait un domaine qui, par miracle, échapperait à cette règle universelle de la me, du sens de la mesure, de l'équilibre, des proportions, de la dose. Euh, ce serait l'accumulation des richesses. Ben non, ça peut pas y échapper. Et en fait, on a des gens quand je dis ils sont fous, c'est que euh, ils sont victimes de leur logique euh, qui est de poursuivre l'accumulation des richesses. C'est-à-dire qu'ils s'identifient au bout d'un moment. Euh, ils identifient leurs valeurs à leur processus euh, d'accumulation de richesses. Ils sont en compétition avec des gens qui pensent pareil qu'eux. Et donc en fait, pathologiquement, ils sont en train d'essayer d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Pourquoi Pour qui Enfin, tout ça n'a strictement aucun sens. Donc en fait, on pourrait même dire qu'il faut supprimer les milliardaires pour leur bien, en fait, pour leur santé mentale. Donc, dire, à tout point de vue, euh, ce, ce, ce discours de défense des milliardaires. Il, 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 ne, il ne tient pas la route deux secondes. Et là, j'ai donné quelques arguments simplement, mais il y en aurait mille autres à donner. Euh, et pourtant, dans l'espace public, on entend que des discours de défense des milliardaires. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des comportements de courtisans. Tous ces gens qui défendent les milliardaires sont des gens qui dépendent d'une manière ou d'une autre du système en place, dont intuitivement, instinctivement, ils savent que il est le fruit des milliardaires et donc euh, évidemment en gros on va pas euh, mordre la main qui nous nourrit voilà tout simplement mais euh, ça n'est qu'un euh, que, que des réflexes tribaux euh, des, une, une défense ou une défense de ses propres intérêts certainement pas l'expression d'une conviction basée sur des arguments rationnels et une démonstration logique qui a conduit à défendre les milliardaires parce que des milliardaires ça ne se justifie pas ça ne se justifie plus. Et euh, évidemment, j'aurais pu parler de l'aspect écologique, où forcément, euh, ne pouvant plus viser une croissance infinie dans un monde qui a des ressources limitées, il va bien falloir, à un moment donné, arrêter de se dire qu'il faut augmenter le gâteau et que la solution va plutôt être de répartir le gâteau différemment. Donc voilà, peu importe par quel bout on prend le sujet, euh, le le, la vache dans le couloir du problème politique qui se pose à nos sociétés actuelles, parce que c'est pas qu'en France, c'est qu'il y a des gens qui ont accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de richesses et qu'il faut qu'on en revienne à une mesure beaucoup plus souhaitable. Moi, je suis pour les inégalités. Hein. J'ai pas de. Je suis pour les inégalités. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus intelligents, plus courageux, plus travailleurs, plus machin, et que l'homme surtout a besoin de se différencier. On peut pas. C'est un instrument pour comment dire euh, opérer la médiation de la violence. Dans la société et de, je veux dire, qui est inhérente à l'humanité. C'est obligatoire. Donc, OK, ayons des différences de rémunération, de revenus, donc des, des inégalités. Mais simplement, posons une règle de proportion dans les inégalités. Et je pense, par exemple, moi, qu'en en France, en tout cas, euh, on pourrait mettre, et je crois que la plupart des gens seraient d'accord, mettons un rapport de 1 à 20. C'est-à-dire que. Euh, euh, si le salaire euh, le plus bas c'est 1500 euros par mois, bah, le salaire le plus haut, le revenu le plus haut, hein, toutes sources de revenus confondues, hein, que ce soit par votre travail, parce que vous avez des biens immobiliers, des machins, toutes sources de revenus co euh, confondues, maximum 30 000. Ça va aller avec 30 000 euros par mois. Enfin, vous allez pouvoir avoir une vie quand même assez luxueuse, je pense. Euh, ça va vous permettre quand même de voyager, d'avoir une très belle maison, d'acheter la voiture que vous voulez. Bon, ça va, vous avez vraiment besoin de plus. Non, je pense 30 000 euros par mois pour vraiment les personnes qui gagnent le plus. Et puis comme ça, après, il euh, y a ceux qui n'auront euh, pas de, de, de recherche de sens plus profond euh, et, et, et de quête un peu altruiste. Et euh, s'ils arrivent à 30 000 euros par mois, bah, ils auront fini le jeu. Donc euh, ils, ils profiteront, ils se divertiront. Bah, très bien. Voilà, au moins, tout, tout, tout ce qui dépasse, ce sera pour la communauté, pour, pour, pour le bien commun, par l'État qui prendrait par l'impôt et donc qui reverserait au service public. Et puis peut-être qu'il y a aussi d'autres gens que ça libérera de la compétition acharnée dans laquelle ils sont et qui eux se diront ah bah maintenant que j'ai fini le jeu, euh, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres ah bah ça, ça me paraît quand même être une ambition un peu plus noble et puis euh, en tout cas beaucoup plus profitable au bien commun et à l'intérêt général. Donc euh, voilà, je, 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 pour moi, euh, s'il y avait une règle à poser et une règle dont il faut convaincre les gens de la pertinence et de la justesse, c'est ce rapport de 1 à 20 dans les revenus. Et on pourrait évidemment aussi fixer une limite sur les patrimoines. Alors là, je n'ai pas encore fait euh, toutes les études, mais bon, il me semble qu'autour de 12 ou 20 millions d'euros de patrimoine maximum, euh, ce serait peut-être pas mal. Voilà, ça, ça va aller. Euh, euh, quand on a un patrimoine comme ça, je pense que ça, ça, ça va aller. Mais déjà... Peut-être que c'est pas suffisant, peut-être qu'il faudrait encore plus réduire, j'en sais rien. Mais je me dis que si déjà on faisait ça, là on, on gommerait les, les, les anomalies complètement exorbitantes euh, qu'on euh, qu connaît aujourd'hui. Et, euh, et, et avec ces proportions-là, a priori, hein, sur un simple pur calcul rationnel d'intérêt, on est 99,9% des gens à avoir intérêt à ça. Puisqu'il puisqu y a 99,9% des gens qui ne gagnent pas 30 000 euros par mois, qui gagnent moins, et qui n'ont pas 12 millions d'euros de patrimoine. Donc, sauf les ,1 ou 0,1 ou 0,01%, tous les autres, en principe, ils ont un intérêt d'accord avec ça, parce que ça va nécessairement leur profiter. Prenons quelques exemples triviaux, pour finir. Euh, quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres, chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, Progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même à l'université d'été du patronat, moqué. Le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Je conclus. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ces rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui l'a tue. Elder Camara, évêque catholique brésilien, connu pour sa lutte contre la pauvreté dans son diocèse et dans le monde, né en 1909, mort en 1999. Euh, bah, disons que, euh, évidemment, le, le, le discours est toujours le même. C'est. Euh de, du côté des bourgeois, des élites, euh, ou des gens en tout cas, puisque c'est ça le critère, les gens pour qui ça va bien et donc qui défendent le statu quo. En fait, fondamentalement, c'est ça. Il y a les gens qui défendent le statu quo, puis il y a les gens qui disent non, non, euh, ras le bol, euh, ce système il est injuste, il faut le changer. Et donc les gens qui défendent le statu quo vont toujours évidemment dénoncer la violence de ceux qui veulent changer le système. Pas seulement parce qu'il y a de la violence en soi. Mais parce qu'ils ont bien compris que cette violence-là, elle, euh, elle est soutenue par un message politique qui vise à changer le système. Donc moi, je pense que ces gens portent une appréciation qui est juste totalement biaisée. En fait, ils sont juste en train de défendre leurs intérêts. C'est comme quand ils défendent la liberté. Non, vous défendez votre égoïsme, votre droit à être égoïste. Quand vous dites ah mais euh, que, que faites-vous de la liberté Les impôts sont confiscatoires. Non, c'est pas la liberté que vous défendez. C'est votre égoïsme que vous défendez. Vos juste vos bas intérêts matériels que vous êtes en train de défendre. Et malheureusement, euh, la plupart de ces gens là sont incapables de penser contre eux-mêmes, au moins d'avoir le recul pour se rendre compte qu'en fait, ils défendent juste leur égoïsme, parce qu'à la limite, ils pourraient le faire en conscience, mais ils ne le font même pas consciemment, je, je pense. Euh, et évidemment, donc on a euh, cette, euh, ce triptyque, effectivement, d'une violence institutionnelle, je veux dire, économique et sociale avant tout, qui pousse les gens au désespoir, et euh, en tout cas qui ne leur permet pas de, de, de vivre une vie euh, sereine et, 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 et de connaître le bonheur parce que quand vous êtes toujours sous la menace donc de plus pouvoir satisfaire juste à vos besoins primaires hein, c'est ça dont on parle hein, pouvoir se loger se nourrir éduquer ses enfants etc c'est les besoins primaires auxquels euh, que tout le monde devrait pouvoir euh, assouvir enfin, je veux dire c'est quand même euh, euh, la base bah, vous créez au bout d'un moment une insatisfaction suffisamment grande pour que ces gens-là se révoltent, et en réponse, bon, les institutions évidemment vont utiliser la, la violence d'État à travers euh, la police et les, les, les instructions qu'on va donner aux forces de l'ordre. Euh, bon, c'est assez classique, c'est un schéma qui s'est toujours répété dans l'histoire. Euh, je, je, je suis toujours, euh, comment je réservé. Dès, dès lors justement, on va focaliser le débat sur euh, les affrontements entre manifestants et policiers. Pour moi, fondamentalement, ce sont des gens qui sont de la même classe sociale, qui ont les mêmes intérêts. Donc le, le but, ce n'est pas de les opposer euh, euh, entre eux. Et, et, et tous ces débats-là, en fait, ne peuvent que nous emmener dans des impasses. Parce que la seule solution, c'est de parler de la première violence économique et sociale créée par les institutions, donc par le, les règles qu'on s'est données de répartition des richesses et de systèmes de protection sociale, de niveau de service public. Euh, voilà, si on crée un système juste et équitable pour tout le monde, alors il n'y a plus de violence dans la société. Enfin, Bon, euh, si ce n'est des violences marginales, euh, mais, mais on, a, on, on a plus de mouvements euh, sociaux collectifs euh, qui euh, vont vouloir une rupture et donc qui vont devoir être violents pour se faire entendre. Parce qu'évidemment, en fait, c'est ça c'est que comme les élites ce sont, euh, économiques se sont accaparées le pouvoir et qu'elles ont strictement aucun intérêt à le rendre parce que le système euh, leur profite. Euh, on n'a pas du tout envie d'entendre les idées de ceux qui veulent changer les choses. Et en fait, fondamentalement, ce qui s'exprime à travers tous les débats sur la violence, c'est ça. C'est juste cette distinction entre les gens qui veulent, qui défendent le statu quo. Et alors, euh, ils peuvent prendre diverses formes. Hein. Vous avez euh, des plus conservateurs assumés euh, qui vont euh, euh, défendre euh, la conservation surtout, c'est-à-dire à la fois sur le plan culturel et économique. Mais vous avez aussi, euh, et Macron l'incarnait parfaitement, ce progressisme libéral, etc., où en fait, on va prendre des postures morales sur tel ou tel sujet de défense des minorités, etc. Euh, bon, et pourquoi pas hein, Moi, je, 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 je veux dire, j'ai pas de problème avec ça particulièrement. Le but étant toujours d'éviter la souffrance des gens, en fait, euh, c'est comme ça la finalité. C'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas le moins de souffrance possible. Mais en revanche, bah, sur l'aspect économique, il va être très très conservateur et défend une politique inégalitaire. Donc, ce qu'il faut toujours regarder en fait derrière les avis qui s'expriment, c'est au final, euh, la personne est-elle d'accord pour qu'il y ait un système plus égalitaire, pour qu'il y ait une répartition des richesses plus équitable? Et si ce n'est pas le cas, vous avez affaire soit à un conservateur assumé, soit à un, à un révolutionnaire qui est un imposteur, enfin, ou à un, à un progressiste qui est un imposteur. Euh, fondamentalement, euh, c'est la question du système économique et de la répartition des richesses qui, euh, qui décide, enfin, qui détermine si vous êtes authentiquement pour euh, le bien commun et, euh, et le droit à chacun de vivre une vie digne et, euh, et, et avec un droit d'accès au bonheur, ou est-ce que vous êtes fondamentalement un égoïste qui ne pense qu'à lui-même et qui se dit, bah pour moi après tout ça va bien et donc bah euh, continuons comme ça et puis euh, les autres euh, je m'en moque éperdument. Allez, on va poursuivre avec les citations. En voici donc une deuxième. D'ailleurs celui qui trouve son auteur et le poste en commentaire sur YouTube gagne un resto avec Stéphane. Stéphane c'est mon ami et accessoirement réalisateur de ce podcast. Ok, bon je l'ai pas prévenu mais il aura l'info au montage. Alors. Les politiciens ne sont pas incompétents, ils sont intelligents et corrompus, ils font leur job parfaitement contre l'intérêt général et pour les riches qui les ont portés au pouvoir, précisément pour ça. Dire qu'ils sont incompétents empêche de diagnostiquer la trahison. Vous avez trouvé Je dirais que euh, je vois très bien ce débat et cette discussion. Euh, elle n'est pas, euh, pas déterminante. Qu'on pense que ce soit des incompétents ou des escrocs, euh, ça ne change pas la donne dans tous les cas, ils produisent les décisions injustes euh, et donc bon, euh, voilà, le diagnostic n'est pas... Euh, et, et on sait, ils produisent des décisions injustes, ils ne nous écoutent pas, euh, on est obligé de mener un rapport de force. -dire, les conclusions sont les mêmes. Donc ce n'est pas déterminant. Après, on pourrait euh, pousser un peu plus loin et pour comprendre, euh, peut-être le livre qui m'a permis le mieux de comprendre, euh, euh, en fait, est-ce qu'elles sont incompétentes ou, ou corrompues c'est un livre qui s'appelle Le Clan des Seigneurs, euh, qui a été écrit par Paul-Antoine Martin, et qui, en fait, a côtoyé la haute fonction publique pendant plusieurs années. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, il a décrit de manière assez subtile et, et, et plus nuancée euh, que simplement incompétent ou, ou corrompu euh, le fonctionnement de ces élites. En fait, évidemment, ces gens-là sont recrutés euh, euh, sur des critères de capacité intellectuelle de Capacité de mémoire, euh, euh, de, de capacité de synthèse, enfin ils ont manifestement des facultés cognitives, intellectuelles. Mais c'est pas ça l'intelligence, c'est pas ça qui va faire leurs compétences. Ce qui va ensuite déterminer si ce sont des gens euh, compétents et, euh, et, et qui prennent des bonnes décisions, des décisions justes et intelligentes, euh, c'est euh, quel but servent-ils, quelles ambitions même personnel, servait-il Est-ce qu'ils ont une recherche de sens et de donner à leur action une, une mission de service de l'intérêt général, de l'intérêt commun, du, du bien commun Ou est-ce que ces gens-là poursuivent des intérêts médiocres d'accumulation de richesses, de notoriété, de pouvoir, de domination sur les autres Et en fait, malheureusement, dans le processus de sélection de nos élites, euh, on, on s'est retrouvé à sélectionner beaucoup de gens en, en majorité euh, pendant pe peut-être ces 30 ou 40 dernières années qui avaient bien moins le souci de l'intérêt général et du bien commun et d'une quête de sens personnel même que euh, de gens très conformistes qui ont suivi en fait les objectifs qui nous sont brandis dans le discours dominant et qui sont euh, bah, voilà, une quête de matériel euh, médiocre de, euh, de gains d'argent, de reconnaissance, de carrière, et, et, et quand on se retrouve avec des gens qui ont autant de pouvoir, mais qui poursuivent des buts aussi peu nobles, bah, ça donne ce qu'on a euh, actuellement, cest des gens qui, qui en fait, du coup, euh, ne sont pas vraiment intéressés par un travail intellectuel, n'ont pas une vraie curiosité euh, à, à comprendre l'histoire, à comprendre les, les grandes théories philosophiques, etc., etc. Pour essayer ensuite de les appliquer dans le réel et de construire un monde plus juste, on pas cette vision-là, le monde plus juste, ça ne les intéresse pas en fait. C'est même pas dans leur paradigme, c'est même pas dans leur perception du monde. Euh, la plupart de ces gens, euh, ils recherchent tout simplement, encore une fois, de la notoriété, du pouvoir, le bon poste, etc. Donc ils sont très intelligents, mais simplement leur intelligence, ils la mettent au service d'ambitions de, de, complètement nulles. Et donc, c'est pour ça que je, je, je pense, pense qu'ils sont même pas conscients, en fait, des méfaits qu'ils qu font dans la société. Ils sont juste centrés sur eux-mêmes et sur, sur, sur leur petite quête personnelle avec des ambitions nulles, encore une fois. Euh, voilà. Et, et je veux dire, ces gens-là, en fait, on les croise aussi dans la vie de tous les jours. Donc... Il faut bien se dire, voilà, qu'en fait, c'est juste des gens qu'on voit dans la vie de tous les jours, on se dit, oh bah lui, dis donc, il est vraiment, il pense qu'au pognon, ou il pense qu'à avoir de la notoriété. Ben, en fait, on a les mêmes dans les élites. Voilà, simplement, elles ont plus de pouvoir, peut-être plus d'intelligence, mais, mais en fait, dans leur, euh, dans leur psyché, il euh, n'y a que ça. Et donc, il n'y a pas de grand plan pour dominer, pour je sais pas quoi, etc. Non, parce qu'ils ne mettent pas leur intelligence à ce service-là. Et en fait, euh, il suffit d'aller. Euh, Discuter, alors je n'ai pas rencontré beaucoup de fonctionnaires, mais des, des politiques, mais ces gens-là ne lisent pas. Ils lisent jamais. Ils, ils n'ont enfin, aucune connaissance. Enfin, le niveau de culture générale aujourd'hui des députés, euh, je parle en particulier des députés macronistes, mais il est affligeant. C est, c est, je, 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 je me suis vu euh, euh, à certaines occasions essayer d'expliquer pourquoi leur le réforme de l'ISF, ça ne marcherait pas. Ça ne pouvait pas marcher. cest à dire, mécaniquement, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas créer de l'investissement dans, dans les entreprises. Vous ne faire que, que produire l'inverse. Je vous ai parlé de la démonstration, mais elle n'était pas très compliquée à comprendre. Il y a plusieurs députés à chaque fois qui me disaient « Je n'ai pas compris le, votre raisonnement ». C'est eux qui ont voté la loi. C'est eux qui sont censés le comprendre. Et de fait, hein, je veux dire, il y a eu des rapports ensuite de France Stratégie qui ont expliqué que la réforme du SF n'avait absolument pas permis euh, d'augmenter les investissements dans les entreprises. Et au contraire même... Les investissements, comme je l'avais anticipé, mais je veux dire, c'était pas quelque chose de difficile à comprendre encore une fois. Les investissements dans les, dans les TPE-PME ont chuté avec la réforme de l'ISF. Ils ne comprenaient pas. Ok. On va peut-être revenir à ma prospective, parce que je suis là pour grappiller quelques idées aussi. Hein, pour écrire mon podcast du futur, je vous le rappelle, ça se passe en 2096. Calreco, c'est mon héros. Et je voulais vous parler des rois clandestins de George Simmel, c'est un philosophe et sociologue allemand du 19e. Est-ce qu'il y aurait des valeurs souterraines, des valeurs de partage, une vision collective, peut-être l'envie de renouer avec le corps, le charnel, dans un rapport humain plus simple, plus direct, bienveillant, non conditionné par la technologie Est-ce que ces valeurs vont émerger et s'inscrire dans le réel, dans une volonté d'aller vers une humanité plus juste. Moi, je suis idéaliste. Alors, idéaliste, ce n'est pas un rêveur, c'est quelqu'un qui pense que l'esprit vient avant la matière, et que penser le futur avec confiance et espérance contribue à faire naître le bon, le doux, le juste, dans le réel. Bah, je, je dirais que je pense quand même qu'on va passer par des, des épreuves extrêmement douloureuses. Je pense vraiment qu'on on va vivre, euh, ouais, on va rencontrer des problèmes comme on n'en a pas rencontré euh, depuis la seconde guerre mondiale. On a quand même vécu là une parenthèse enchantée de paix et de prospérité euh, que peu de générations avant nous avaient connue. Donc on a eu énormément de chance. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même plus la guerre et la famine euh, que, euh, que la prospérité et le confort dont on a bénéficié. Euh, donc je, je, je crains qu'on vive des, des, des moments très douloureux. Euh, on a aujourd'hui une guerre qui euh, euh, n'est pas seulement à nos portes, qui est une guerre qui déjà produit des conséquences euh, économiques et sociales euh, dans nos pays. Euh, avec l'inflation, euh, la réflexion du coup des matières premières parce que le gaz, enfin bon, je rentre pas dans le détail, mais ça produit des, des, déjà des choses. Cette guerre risque de, de durer. Elle pourrait empirer aussi. Alors, on est qu'au début. La Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, ça se fait pas en trois mois. Hein, ça, je veux dire, ça, ça prend quand même des mois et des mois et on rentre dans une escalade qui, bah, à la fin, produit ces atrocités humaines. Euh, donc, euh, il faut rester euh, méfiant <laughs> par rapport à ce contexte-là. Euh, et quand on ajoute à ça un monde qui, jusqu'alors, était plutôt en expansion, on s'était pas heurté aux limites de l'accès aux ressources, euh, mais où là, ça se retourne, soit pour le pétrole, mais ou d'autres matières premières. Euh, vu le peu de niveau de sagesse qu'on a actuellement euh, à la tête des différentes nations. Euh, je parle au niveau des institutions. Euh, oui, il y, a, il y a quand même beaucoup de raisons d'être très inquiet sur ce qui pourrait se passer. Et, et, et je pense que malheureusement, euh, on ne fera pas l'économie d'épreuves très douloureuses. Maintenant, euh, évidemment, si on s'en tient là, on, on a un discours très désespérant et très déprimant. Et puis, euh, à, à quoi bon lutter, quoi euh, Autant rester chez soi et puis tant pis. Euh, mais je pense que de toute façon l'homme est ainsi fait que il ne peut pas avancer sans espoir sans espérance et, et pour garder cet enthousiasme il faut donc avoir l'humilité de se dire qu'on ne peut jamais tout prévoir et euh, nous sommes de toute façon chacun acteur de ce qui va se passer tous responsables individuellement de ce qui va se passer alors je ne suis pas responsable pour les autres mais je suis responsable déjà de ce que moi je fais et je produis dans le monde donc à chacun de faire sa part à chacun d'agir à son niveau pour essayer d'être le plus bienveillant possible autour de soi, le plus compréhensif possible, euh, le plus tolérant, et puis également de comprendre le monde et de me comprendre moi-même. Voilà, c'est tout ça. Ce sont les comprendre, changer le monde et se changer soi-même, c'est les deux faces d'une même pièce, et il faut euh, il faut au moins faire sa part. Voilà, avec euh, l'idée que euh, euh, ce que chacun fera individuellement décidera de ce qui va se passer collectivement. Donc euh, euh, rien n'est écrit, rien n'est figé. Mais euh, il faut déjà que chacun se remette en cause et fasse sa part. Et bon, pour l'instant, euh, à mon sens, il euh, y a des choses qui se passent, c'est bien, mais on peut encore faire mieux. Moi, le premier. Alors moi, je me demandais naïvement si ce euh, serait peut-être pas le moment d'aller regarder ailleurs en fait de construire sans se soucier de ce qui se passe là-haut puisqu'on ne nous écoute pas puisque les gouvernements n'ont pas du tout envie d'aller vers plus d'humanité, plus d'écologie mais vers plus de technologie et surtout vers un chaos qui semble inéluctable peut-être que ça serait le moment de construire sans eux. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est une solution plutôt que d'alimenter un système et de vouloir euh, y participer à tout prix, pourquoi ne pas en construire un hein, de manière parallèle euh, Pour ce qui est de construire à côté, pourquoi pas à titre d'expérience et euh, pour progresser individuellement Mais euh, là encore, je regrette, euh, je rejoins plutôt les analyses de Frédéric Lordon là-dessus, on ne pourra pas faire l'économie d'institutions euh, nationales. Parce que en fait, les problématiques qui sont posées à nous nécessitent une coordination euh, de très très grande envergure, euh, je veux dire, dans des économies telles que les nôtres qui sont hyper interdépendantes, hyper spécialisées, où on importe énormément de, 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 de choses et où on a des chaînes de fabrication qui sont, euh, je veux dire, on ne produit pas tout dans, dans une cabane euh, euh, ou en tout, même dans une usine. Alors, un bien nécessite de toute une chaîne de fabrication, etc. Et, et, et même si on l'organisait sur le territoire national pour coordonner ça, euh, organiser cette coordination, il faut des institutions nationales pour faire fonctionner une monnaie. Il faut des institutions nationales. Donc, euh, de toute façon, on peut pas s'affranchir d'un appareil d'État. Après, la question, c'est euh, euh, qui. Quelles sont les règles de cet état Et, euh, et du coup, est-ce qu'on a des bonnes personnes ou des mauvaises personnes C'est-à-dire des personnes compétentes et altruistes ou est-ce que on a euh, des, des imbéciles euh, égoïstes quoi euh, Voilà. Donc, je, je, je pense que toute initiative qui va dans le sens euh, d'une expérience humaine, d'une augmentation de sa connaissance, euh, ça, ça ne peut être que bénéfique. Donc, quand les gens créent des collectivités autonomes, euh, des ad des voilà, moi je suis très honnêtement, je suis pas très familier avec ça, mais je me dis ok, c'est une expérience et ça peut être enrichissant sur le plan humain pour les gens qui font ça. Et donc, euh, si ça peut, si si pour eux ça passe par là pour s'émanciper et progresser, bah, très bien. Ce qui compte, c'est de progresser dans, dans son cheminement. Mais euh, ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire, euh, aussi intéressant et essentiel que soit cette expérience-là, ça, ça ne sera pas suffisant, au sens où, à un moment donné, on devra être suffisamment conscient collectivement pour pouvoir provoquer un basculement des institutions. Et, euh, et, et en gros, mettre en place, on le dit comme on veut, mettre en place ou subvertir ou renverser, ou, mais de, de faire en sorte que l'appareil d'État... Euh, soit sous le contrôle des citoyens et, et au service des citoyens. Voilà. Peut-être qu'on a besoin de structures fortes. Peut-être que c'est pas si simple de construire ailleurs. Aussi parce que c'est assez logique, le pouvoir ne laissera pas faire. On a vu en 2018 une véritable opération militaire pour déloger les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Et que dire des violences policières qui ont lieu face à la contestation contre la réforme des retraites alors il va falloir réorganiser les institutions. Par nature, le pouvoir corrompt, ça semble assez clair. Le tirage au sort pourrait-il être une solution Comment aller vers plus de démocratie J'ai pas de conviction arrêtée sur les aspects institutionnels. Je trouve les réflexions intéressantes sur le tirage au sort. J'en vois aussi les limites quand même. J'entends, ok, je préfère un ignorant. Euh, euh, honnête euh, qu'un euh, intelligent corrompu a priori voilà l'élection va m'amener un intelligent corrompu mais le tirage au sort peut m'amener un, 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 un ignorant euh, honnête bon mais ben, euh, l'ignorant honnête il peut prendre des décisions euh, aussi euh, nuisibles que le corrompu euh, intelligent donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas de système parfait en, en réalité et j'en reviens donc qu'à une seule chose, c'est le niveau de connaissance des gens. De fait, vous pouvez faire toutes les institutions que vous voulez. Si les gens de la base n'ont pas de niveau de connaissance suffisant, ils n'ont pas la capacité de contrôler leurs représentants. Peu importe le processus que vous avez décidé, que ce soit le tirage au sort, les élections, etc vous navez pas la capacité de contrôler si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la capacité de contrôler C'est aussi simple que, que ça. Quand vous allez acheter votre télé euh, dans un magasin, si vous n'êtes pas spécialiste des télés, le vendeur il peut vous raconter ce qu'il veut. Il va vous dire oui, telle technologie, tel machin, tel truc, et vous voyez bien que votre choix vous le faites quand même un peu au pifomètre, quoi, parce que vous êtes incapable d'évaluer les arguments qui vous donnent. Bon, bah, au niveau politique, c'est pareil. Vous n'êtes pas capable dans un monde complexe. Euh, comme on le connaît aujourd'hui, si vous ne le comprenez pas un minimum, si vous n'avez pas un minimum de base, notamment en économie, vous ne pourrez pas contrôler vos élus. Vous ne pourrez pas contrôler vos, vos représentants. Donc, peu importe les règles qu'on se donne. Déjà à chacun de faire sa part pour euh, euh, comprendre. Alors après, je ne suis pas euh, naïf non plus. Euh, euh, je sais combien c'est compliqué. Euh, je sais que dans un système où on doit bah, travailler au moins 35 heures par semaine, etc., et qu'on a des enfants, hein, machin, bon, on n'a pas forcément le temps, l'énergie, euh, disponibilité mentale pour faire tout ce travail. Bah, dans ce cas-là, on est obligé de s'en remettre à une élite éclairée et mettre en place des processus de sélection qui soient beaucoup plus performants. Qu'actuellement, c'est-à-dire ne pas uniquement se concentrer sur l'intelligence intellectuelle, les facultés intellectuelles de la personne, mais est-ce que cette personne-là a démontré déjà dans son parcours des qualités d'altruisme, de, de, de courage et d'éthique dans son parcours Voilà, déjà, ça, ça pourrait être, un, être quelque chose de, de salutaire. Et puis, c'est pour ça qu'au stade où j'en suis, moi je, je, je me dis si j'avais une règle à défendre, aujourd'hui un principe, c'est ce rapport de 1 à 20, c'est-à-dire cette idée des inégalités contenues. Parce que si au moins on faisait ça, on changerait tellement de paradigmes, ça changerait tellement de choses, on, que, que tout le monde ait, ait bien compris que un, euh, ce serait un crime de dépasser le, 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 le rapport proportionnel de 1 à 20. Ce serait criminel. Dans la conscience individuelle et collective, les gens sauraient que quand quelqu'un euh, s'accapare plus de richesses que 20 fois le, 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 le niveau de revenu le plus bas, il est en train d'être extrêmement nuisible à la société et qui et, et qu crée des morts. Hein, parce que ça, ça crée du chômage. Le chômage, c'est 10 ou 15 000 morts par an en France, par exemple. Mais on pourrait parler du manque de moins dans les hôpitaux et donc combien de morts par le fait du manque de moins dans les hôpitaux. Bon, et on pourrait décliner ça à, à, sur, sur toute une série de sujets. Donc voilà, je me dis au moins cette règle-là, est simple à comprendre, on peut tous se fédérer dessus et, euh, et celle-là changerait énormément, énormément de choses. Énormément. On parle, on parle. Il n'est pas rare que les entretiens que nous avons avec nos invités, ou plutôt avec nos hôtes, car c'est nous qui leur rendons visite, il n'est pas rare donc que ces Dure parfois deux heures, parfois plus. On va essayer de ne pas dépasser 1h20, allez 1h30 dans cette série de podcasts. Mais c'est important de laisser ces êtres humains brillants développer leurs pensées. Le contenu supplémentaire qu'on n'aura pas pu diffuser ici sera posté en bonus sur notre plateforme Patreon pour ceux que ça intéresse. Et donc, là, on y est. La question que je pose à chacune des personnalités que nous rencontrons nous sommes en 2096, que s'est-il passé depuis les années 20 bon, c'est évidemment très compliqué, quoi. Et je ne suis pas, euh, j'ai jamais joué au prospectiviste, donc euh, voilà. Euh, je pense, si je m'appuie sur le rapport Midos. A priori, la population mondiale aura été diminuée par deux. Euh, il est vraisemblable donc qu'il y aura eu des conflits euh, armés assez euh, dévastateurs dans la période. Euh, une augmentation un peu générale de la criminalité, euh, euh, de euh, et oui, et des conditions de vie de, de pauvreté euh, des gens, enfin avec des inégalités qui se seront creusées. Moi, je, je, je vois ça pour euh, la période là, 2020 à 2050. Euh, il est possible que là, pour les 15, 20, 30 prochaines années, on soit dans cette dynamique vraiment de, de conflit très fort euh, entre les nations, entre les peuples, entre les États et qui crée énormément de souffrance. Bon, L'espoir que j'ai, c'est qu'effectivement, peut-être qu'à l'issue de cette période-là, euh, et quand on aura bien détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui jusqu'alors faisaient notre bonheur, euh, ou qui avaient fait notre bonheur pendant si longtemps, alors euh, sur ces ruines, on sera à nouveau en capacité peut-être de, de reconstruire. Mais la, la, évidemment, le, le, le coup-près euh, qu'on a aujourd'hui euh, quand, quand on essaie de se projeter, qu'on n'avait jamais jusqu'alors, bah, c'est les, les conditions d'habitabilité de la planète quoi. Parce que là on a un truc, euh, je veux dire jusqu'alors bon, euh, on se foutait sur la gueule, mais je veux dire euh, voilà, ça, ça a créé des morts, mais bon, euh, la vie humaine continuait quoi qu'il arrive. Là c'est la vie humaine tout entière et pas seulement qu'humaine d'ailleurs, mais bon, on va parler de manière euh, centré sur l'espèce humaine, euh, là, euh, on s'interroge. Euh, alors, en, a priori, en 2096, il y aura encore la vie sur Terre. Hein. Mais euh, dans quelles conditions euh, Ce sera peut-être déjà beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Qu Et malheureusement, ce problème écologique, il, il se pose sur des temps très très longs. C'est-à-dire que le réchauffement climatique auquel on assiste là, il ne vient pas de notre production industrielle et ne, nos modes de production et de consommation des cinq dernières années. C'est depuis un siècle euh, que et la manière dont on a évolué depuis un siècle qui aboutit à ça aujourd'hui. Et donc, euh, c'est ça qui fait que c'est très très compliqué d'agir sur ce problème-là. C'est que dans un système où on est totalement centré sur l'immédiateté, euh, euh, etc., bah, dire qu'en gros il faut qu'on agisse maintenant pour pouvoir dans peut-être 30 ou 50 ans produire des effets bénéfiques et amortir le choc et le réchauffement climatique. bon dans je veux dire un monde où on fait des transactions financières à la nanoseconde par des ordinateurs pour gagner de l'argent, on voit bien que euh, voilà on n'est pas du tout du tout dans cette logique de long terme. Donc, euh, oui, je. je bah, si, si je devais me projeter sur euh, les 20-30 prochaines années, euh, euh, je, je vois le monde plutôt comme euh, ce film excellent qui était sorti, je crois, en 2005, qui s'appelle Les Fils de l'Homme, Children of Men, euh, et qui décrivait assez bien une société futuriste où finalement il n'y avait rien d'extraordinaire, rien de nouveau, simplement. Euh, euh, le réalisateur a poussé les curseurs de tous les problèmes qu'on connaît déjà aujourd'hui, et qu'on connaissait déjà en 2005. Il a juste poussé les curseurs plus loin de tous les, de, de, de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et j'avoue que c'est... Quand on le revoit aujourd'hui, ce film, qui a maintenant un peu plus de 15 ans, il est assez déstabilisant parce que... Euh, ouais, on voit qu'on en prend pas mal le chemin, en fait. Donc... Euh, oui, je, je, je verrai plus l'avenir du monde comme ça à, à l'horizon 15, 20, 30 ans. Et après, peut-être, j'espère en tout cas, que euh, la reconstruction sera possible par la suite, euh, qu'on n'aura pas euh, liquidé toutes nos chances sur le plan écologique, et qu'on on, on pourra euh, enfin construire une société plus juste, plus harmonieuse. Mais je crois que ça passera par euh, la... Euh, le, enfin, la condition ce sera de retrouver du sens et de la sagesse et en fait derrière ces mots là pour moi ça peut renvoyer à quelque chose de très 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 concret c'est simplement que chacun se connaisse soi-même que chacun fasse son introspection euh, que chacun soit conscient euh, des, des des schémas compulsifs qu'il a en lui enfin euh, c'est tout ce travail là à faire penser contre soi-même apprendre à se connaître comprendre ses émotions, etc. C'est etc. tout ça qui permet au final de produire des, des, des personnes qui euh, sont capables de tolérance, de compréhension et d'intelligence, plutôt que de gens qui sont enfermés dans des schémas égoïstes, intolérants et violents. Merci. Nous avons passé un très chouette moment à Rouen pour cette interview. D'ailleurs, on a prolongé la discussion un peu au-delà. Le partage, l'échange, la bienveillance sont des valeurs humaines qu'il faut chérir, surtout en ces temps étranges. Ça semble être le cas de François Boulot. Pour en revenir à notre podcast, nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via PayPal. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rejoindre. Merci à nos partenaires, le Conseil du Léman, la Maison d'ailleurs, la Ville d'Hiverdon les Bains, la société Audiovisite, sans qui nous n'aurions pu démarrer ce projet. On se retrouve donc dans l'épisode 3. D'ici là, porte-toi bien, prends le temps, et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.